Oh, ça tourne. Bonne année à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'épisode de Vélo et Guidon. L'atelier, mais c'est pas grave, l'atelier de Vélo et Guidon. Alors, vous avez pris des bonnes résolutions, tête à claine ? Oui, j'ai notamment pris la résolution d'aller en vacances à la Fistinière avec mes enfants. Ah, mais ça, c'est une bonne idée. Intéressons-nous donc. Ah oui, mon colis. C'est très emballé bizarrement quand même. Hein. Oui. Oh, ça va bien avec votre cravate. Regardez, vous pouvez faire une extension. Nous sommes à deux doigts de découvrir le colis. Comment le colis ? C'est un Airbus. Voilà, qu'est-ce que c'est ? Un batteur électrique ! Expliquez-moi. Expliquez-moi. Expliquez. Oh. Car effectivement, il existe un danger. Oui. Un danger à hauteur de 6,3%, chers spectateurs. Ah. Voilà. C'est inattendu, mesdames et messieurs, mais cela peut arriver aussi chez vous. Alors, vélo. Je suis sûr que vous ne m'aviez pas vu avec votre. Vous m'avez fait peur. Ouais. Bon. Non mais je viens d'arriver. Est-ce qu'il y a des solutions pour contourner ce genre d'accident probable ? Eh bien oui, mesdames et messieurs, je voulais justement vous parler d'une invention révolutionnaire. Ça tombe bien. Je vous présente les lunettes anti-batteur électrique. Hop, lorsque je m'approche de Guidon, vous pouvez voir... Oh là là, attention quand même, ça ne protège que les yeux. Tout va bien. Oh, je comprends. Vous pouvez le voir. Vous n'avez pas un protège-nez avec, il est non parfaitement protégé, ah, oui, bah, oculairement. Juste là. Oui, voilà. Bah, c'est bon. Une solution indispensable, vous vous êtes rendu compte de rien, j'ai essayé d'attendre. Absolument pas, je n'ai même pas senti un frôlement. Vous pouvez commander d'ores et déjà vos lunettes. Oh mon cher vélo, vous êtes poupou aujourd'hui, hein. Hein, hein, la gamelle. C'est la fin de cet épisode de Vélo et Guidon, l'atelier de Vélo et Guidon. Merci de nous avoir suivis, retrouvez-nous dès la semaine prochaine. À très bientôt, bonne journée, bonne soirée, bonne santé, bonne année, tout ça, tout ça. Peut-on enlever les lunettes ? Ah non, il faut les garder, les conserver, car une fois qu'elles sont mises, on ne peut plus les enlever, jamais, c'est à vie. Ah bon ? C'est un petit désavantage du produit, mais nous y travaillons. Aïe ! 37,5, ça va. Ça marche. À la mise. Ça vous fait pas rire, ma blague ? Si. D'accord. Oui. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Vous voulez comment votre part de gâteau ? Chut, taisez-vous, je vais mettre sur YouTube, là. Et vous inscrire, voilà, et puis... Oh, mais... Vous m'avez cassé mon truc, je sais plus quoi dire. Je vous mets la framboise avec voilà. Un petit copeau de chocolat dessus. Oui. Ah voilà, regardez. C'est joli. Oui. Bon, moi je vais prendre ça.